m'appelle Nicolas De Antonio, je suis gérant de la société Arbogrimpe, donc une société qui est spécialisée dans la taille et le démontage d'arbres. Donc mon métier c'est arboriste grimpeur. Voilà, donc on a effectué ce chantier là à la demande de la commune. Bon, c'est un gros chantier de 4 tilleuls avec des conditions difficiles de travail, hein, puisque vous avez le mur du cimetière, les tombes qui sont derrière, la route bon, qui heureusement est barrée et donc qui nous a quand même facilité grandement le travail. Alors pourquoi les avoir abattus? Bon, ce sont des tilleuls qui ont une centaine d'années environ. Le problème, bon, il y a deux problèmes majeurs. Donc là, la mairesse m'avait demandé de les abattre parce qu'il y a un souci de casse du mur lié au système racinaire. Donc on le voit, il est fissuré d'un peu partout. Si on les avait laissés un peu plus longtemps, donc je pense que le mur aurait été à refaire. Et puis un deuxième problème qui, à mon avis, est aussi tout important, c'est que ce sont des arbres qui ont été étêtés. Donc il y a une vingtaine d'années, on a coupé la tête. Et, au niveau de l'étêtage, donc vous avez une pourriture qui s'est installée sur environ 2 mètres de long. Et malheureusement, comme toutes les branches, les rejets qui ont repoussé à cet endroit-là sont devenus déjà très gros. Donc ça crée des poids de levier importants et ce sont donc les têtes qui pouvaient casser à tout moment. Donc en termes de sécurité des usagers, ça posait problème. Bah, merci monsieur. Je vous en prie.